Tête chargée pour moun kap vive dans le pays d'Haïti parce que maladie choléra refait si face. Après plusieurs malades qui sorti Cité Soleil, Matissan, Kafoufei, pour me citer ça ou seulement, qui t'al prend soin dans plusieurs centres santé dans la capitale là, bien suite avec ça que le laboratoire révélé, c'est que maladie ça, c'est choléra qui refrappé pire dans le pays d'Haïti. Et ça grave là, il y a des gens qui déjà fait voile pour pays sans chapeau dans la maladie si là. Je vais vous tout détail et forme vous dire, Dimitri Vob qui, si nous mettons Dimitri sans filtre, ils font déclaration, en pile moun table dit, déclaration ça, gen poué avec si pas que la baille mouché Ariel Henry. Je vais vous tout détail et raté gaz là, li modifié en pile service qui te kon bay dans le pays d'Haïti. Et pour question relouvri porte l'école dans le pays d'Haïti là, gen responsable Saint-Luc Gonzague yo mandé avec tout parent, yo dit tout parent re tranquille, c'est remède go. M'ral bon tout détail. M'espérer que nous en forme, moi espérer que nous ap kenbe. Maladie choléra, li refait si face dans le pays d'Haïti. Et n'a rappelé nous, maladie ça t'a paraître gel en octobre 2010, laissant dans la Tibonite. Nous avons joué un premier cas choléra. Et après maladie ça fin fait un ravage dans le pays, plusieurs moun tombé en maladie choléra. Test ça d'après le révéler c'est ministère qui sorti Népal qui la cause maladie ça dans Bégon moun yo à cause des water yo lagué dans rivière. Est-ce qu'on entendez? Eh bien, maladie ça qui te font paquet tout, on paquet ravage, on paquet moun te mouri là-dedans. Dans moment m'a parle avec nous là. Dans minute que n'a parlé là que n'a conversé là, comme dit le laboratoire national, il a à peine confirmé pour moi, mes chers amis, que effectivement, après toute analyse, après toute bagaille qui ont fait suite avec les gens qui sont venus dans cette santé, parce que les gens qui sont venus, c'est vomissement, c'est diarrhée, c'est vomissement, diarrhée sans arrêter, et diarrhée à même, j'ai diarrhée de l'eau couée, de l'eau d'iri, j'en déconne, il fut un temps, eh bien, le laboratoire national confirmé, les gens qui ont diarrhée, eh bien, c'est choléra qui reprend le pays pour une énième fois. Et il y a un pile l'hôpital, mes chers amis, par exemple, Médecins sans frontières qui trouve dans l'avenue Charles Sommer, il y a déjà des gens qui fait voile pour pays sans chapeau, suite avec information qui me gagne, moun sa li tap souffri la kaili, sou kompran, li tap li te non souffrance qui était vraiment atroce, vomissement, diarrhée. Li rive l'hôpital là, tout déshydraté. Et bien ça qui passé, li tout mouri sous cabane l'hôpital là. Mais dans mon moment parle avec nous là, il y a plus qu'une dizaine moun qui a pris soin dans l'hôpital sans frontières dans avenue Charles Sommer pour même question choléra. Et puis faut moun sa yo, selon information yo sorti dans zone Kafoufei. Cité Soleil c'est pas parlé. Matissan on l'autre encore. Étant donné maladie a été passée dans le pays d'Haïti. Ils font paquet de ravages qui donc principe sanitaire n'a style toujours kembe yo parce que nous connaissons qui ça qui baille choléra, c'est notre blon a boire. Est-ce qu'on comprend? Et c'est une maladie tout qui ou prend facile oui. Est-ce qu'on comprend? Eh bien n'a fait un pile effort ou saute dans water, laver main ou saute dans la rue, laver main parce que Jean bagay yo est là dans le pays d'Haïti m'pa koué. Ken ka vin pran se kou sa m'pa konn ap gen senti pou nda danse yaya d'ici là avec question choléra et si tout bon l'état qui tombe en défaillance on l'état pas camper soigné on l'état tout vous cédo. Mais mes chers amis prend en pile prudence parce que gen en pile cas que recensé c'est maladie choléra qui refait si face dans pays m'pa connait qui l'une des raisons qui fait maladie ça refrapper encore mais comme on dit épidémie bah ça va me guérir vous comprenez même pas connait qui sac la cause qui est deuxième vague ça, l'arrivée sous nous comme ça. En pile côté a frappé là, m'a demandé tout le monde net dans pleine en soi. Vous connaissez en pile monde l'eau pas facile, l'eau pour boire pas facile, c'est même l'eau cap comment cap pomper dans terre. En pile fois c'est avec nous boire nous fait tout besoin nous. Dans moment, li mandé pour nous bailler l'eau ça en traitement bouillir l'eau yo. L'eau tenter qu'on gagne aqua table, est-ce qu'on comprend? Bon pas connaît qui ça que ministère santé publique pral dit nan moment ça là, nan les cap avancé yo, Parce que le laboratoire national déjà confirmé pour nous, oui, effectivement, c'est choléra. En tout cas, n'attend, mais pas étonnant, non seulement que j'aime capable de dire rien, parce que nous n'avons pas l'État. Tout le monde connaît ça, nous avons l'État qui fait faillite, on l'État qui non seulement nous souligne, peuple à mettre le jour et aujourd'hui, parce que l'État ne pas répondre avec exigence population. Bagala vraiment compliqué, bagala vraiment drôle. Étant donné que nous est, peuple haïtien pas négocier Clorox. Ouais, dans moment ça, maintenant de nous temps pour souple. Ouais, conseil ça, c'est pas même mon conseil non, nous voulons son bagage imposer nous pour nous servir avec Clorox dans tout ça qui n'a fait, tout bagage nous connaît qui a la cause, nous traper maladie choléra, dégager nous couer mettre Jean-Jacques pour nous ouais, comment nous capable voir maladie ça dans coin. Nous sommes pour corona, nous te prend choléra déjà, mais kounya pour choléra ta vinn refrapper, mais non, bon Dieu faut ta dire un mot. L'autre détail, l'autre information que m'a ba nous Fom di nou Dimitri Vob, qui baye tête li non Dimitri sans filtre. Sous Twitter, li fait une déclaration. M'a dou déclaration et ou même wap fait jugement pour à travers commentaire pour dire est-ce que c'est on jarret que la baye Ariel Henry ou bien tout bon en aller. Mais ça le dit. Pi gwo erreur Premier ministre Ariel Henry fait, li pas fait yon audit au soi état des lieux parce que yo remet yon l'état faille. Yon l'État sans cob pour faire un rien. PM Ariel Henry endossé toute gagote qui fait yo sans le pas comprendre que c'est yon bateau qui fin couler que yo bal gérer. Pas gen l'argent, ça c'est yon, pas gen institution cap marché, ça c'est deux et pour le finir dit l'État l'autre. L'autre fin de déclaration ça que Dimitri Vob fait ou même qui soit dit tout. C'est soutenir la soutenir ou bien son opération Boakal qui la prôné. Mais pas oublier non, l'État soude pour dédommager Dimitri Vob suite à avec ça que Jovenel te fait bloquer son géné, faire moucher à craser rack, n'importe 54 millions que on va débloquer pour moucher à là pour réparer. Vraiment te dit son gros avocat dans pays qui fait déclaration qui te font navette médiatique pour te simarer message là, elle te tombé dans la coussi là, nous partager ensemble avec vous. L'autre cause, l'autre bagage qui est important fòm djou, à cause pas gen gaz dans pays d'Haïti, gen en pile activité, mon cher, yo obligé modifier yo. En pile activité, en pile service, si tout dans l'hôpital, yo obligé pas bay non, tout service que qu'on habitué bay dans temps normal. Bagage yo vinn obligé modifier, yo obligé font ti arrangement. Si tout dans affaire banque yo, dans pays d'Haïti, yo fait connait, toute banque yo net, yo a obligé fonctionner 3 jours seulement dans semaine nan. Vous entendez? Il a fonctionné lundi, il a fonctionné mercredi, il a fonctionné vendredi. Et maintenant, l'heure là tout, il a réduit à cause des gaz et il dit il a pris comme ça jusqu'à ce que réserve sèche. C'est-à-dire jusqu'à ce que petit gaz que vous avez dans tank yo, li fini parce que dans moment en haut pas monter en bas pas descendre, nèg Genève yo bloqué terminal là, yo dit quand pour Ariel gaz va pas venir prendre. Et cette fois, il semblerait-il que c'est pas dit fait pour non pas maigre, c'est pour tout bon. En tout cas, bagala vraiment compliqué, bagala vraiment exagéré. Malgré tout sorte de là, qu'a passé dans le pays d'Haïti, pays bloqué, moun pas ka fonctionner, madame Sarah, tout business yo, gâté, m'a gardé quelques bananes, nan grand danse, banane yo, yo gâté, pas ti banane non. Yo dit 3 grandes bananes actuellement la misqué dans le pays d'Haïti, 3 grandes bananes ça va coûter 250 gouttes. Mais pour banane moi gaspiller dans madame Sarah yo, son bagage grave. Parce qu'on est Nesmi Maniga qui c'est ministre éducation nationale. Jusqu'à présent 3 octobre là toujours genbe. Haïti là caoutchouc boule bal a pété gaz lacrymogène a tiré, habillé ti moun nan met uniforme sous li faire prendre direction l'école. Et me senti gen information je reconfirme l'on, je parle au conditionnel parce que la fin qu'on est scientifique. Je sens l'école qui va ouvrir porte 3 octobre ça qui n'est pas ni fixé a, des grosses sanctions qui prévoit pour vous. Eh bien, semblerait-il que l'école Saint-Louis de Gonzague pral youn dans l'école que ministère éducation nationale pral obligé sanctionner parce qu'elle sorti on note là elle alerte tout parent qui gen ti moun yo dans Saint-Louis de Gonzague pour dire rete tranquille se remettre corps. Jean Bagala est là pour occuper aucune cabine fait Madjigudi. Établissement scolaire, porte li pap ouvri pour le recevoir même un grand petit monde sous la cour. Là, m'a parlé des responsables de l'école là. Monsieur Botenon, frère Simon Alphonse. Frère Simon Alphonse, nous connaissons les catholiques qui sont formés de frère devant yo. Comprenez? C'est le directeur de l'école là. li bay avis ça ensemble avec tout parent qui gen ti moun yo dans établissement scolaire ça. Combien l'école qui va sortir note pour faire même gens? En tout cas, m'pa connaît men ki si tellement aimer l'argent, yo pas besoin connaît qui ça bay l'école ça capoter, ouverture des classes dans moment ça là qui pas propice. En tout cas, messieurs que nous nomme nous, bay couleur que nous voulons parce que jour va jour vient kaka j'ai pas linette, yo toujours dit c'est prime je le faire raide. Attendez non, j'étais dans le grand sud là pour aller Jérémy côté au monde besoin jusqu'à 3000 gouttes pour retirer un gallon gaz sous marché informel là. Jérémy qui est en mode lock depuis hier porte plusieurs institutions publiques qui ont été fermées à cause manifestation qui déclenchée hier dans cité pour être là nous apprendre il y a un monde qui t'a recevoir balle et qui apprend soin l'hôpital. Nous pral rejoindre très rapidement correspondant nous dans métropole Grand Instant Frankel Imaginaire pour dernière information concernant situation dans Jérémy côté manifestant. Vous prenez rendez-vous encore matin sous béton pour continuer manifester contre la vie chère avec insécurité. Frankel Imaginaire c'est correspondant nous dans Port-de-Paix. Jérémy Frankel Imaginaire bonjour. Vous êtes sur la messagerie vocale. Oui, Frankel Imaginaire n'a pas essayé de rejoindre mes communications. Paraît très difficile avec Frankel Imaginaire. N'a retourné sous journée manifestation à Yéan Jérémy. Manifestation a déroulé contre la vie chère avec insécurité. Dernière information révélée. Il y a un manifestant qui recevra balle dans le cadre de mouvement Sahayo qui annonçait encore. Pour Mater, Frankel Imaginaire, c'est correspondant nous, Jérémy, nous finalement rejoignons et libre. Nous donner des détails. Frankel, nous font encore bonjour. Oui, bonjour Pierre-Renel. Nous comptons que vous de retour, Ferdinand et Gabriel Vessel. Et bonjour la grandance à travers différents médias que auditeurs nous, auditrices nous attendent nous un peu partout à travers le département. Hier lundi, effectivement, et Pierre-Renel, c'était le 29 août 2022. Et de façon entendue, manifestant la ville Jérémy était prend la rue et pour dire à bas la vie chère, blackout et général, insécurité, chômage, injustice sociale sous toute forme de violation grave, non à phénomène enrichissement illicite là, à question gasoline 3000 gouttes là, faut qu'on dise, et ça vient vivre dans cette situation là. Après que l'autorité, soit dans le niveau de la justice, et ministère commerce, tout ça, délégation, la police, qui fait s'annuler une opération, un saisie gaz sous trottoir devant l'institution publique ou privée dans la ville. Ça va nous permettre que, depuis là, nous prenons gaz de stocker la résidence privée de la CAIO, et à partir de là, et Vinguen, ça nous relève, il y a une baisse considérable sur le marché informel là, parce que la majorité pompiers, depuis presque un an, ils n'ont pas distribué gaz à la pompe, de préférence c'est un groom avec galon jaune qui est au baillot et à proximité de la ville. Comme ça, ça vient permettre que Jean-Doula, un galon, gaz, le moment où on a parlé là, c'est 3000 gouttes de façon clandestine pour joindre. Comme ça, nous avons même tenu compte à ça. Pour que vous preniez la rue, et hier, ça a été un petit genre, pas démocratique, côté que vous crasez le marché public Jérémy, vous prenez la rue de façon improvisée, avec bouteilles, roches, la main, vous êtes très agressif, et sur tout le monde qui a été joué sur le parcours, tout quelques motos qui ont circulé, vous êtes campé pour prendre la rue de façon pour alimenter les barricades à travers caoutchouc qui a mis dans la ville. Comme ça, tout, la police lui-même qui était à patrouiller et un peu partout à travers la ville, et il était venu rencontrer un embryon manifestation qui t'a pris en direction du commissariat central Jérémy, côté que la police lui-même qui mettait au diapason tout, de façon pour te refouler et fouler ça qui était intention affronter le commissariat avec coup de bouteille roche. Il était tué gaz lacrymogène. Il faut que nous disions, jusqu'à date, il fait état d'un jeune garçon qui portait un certain Brinach, Jonas, et 19 l'année, qui était fréquenté l'hôpital Saint-Antoine-Jérémy, monsieur blessé la tête. Mais comme il y a là, réfléchissez pour nous connaître, est-ce que c'est pas balle la police, ou du moins, c'est jet de pierre ou du même bouteille qui blessé lui, ça c'est une interrogation. Comme ça, manifestant yo bail tête yo mission tout pour que yo été mobilisé sous béton de façon pour permettre que le gouvernement en place là qui a dirigé par docteur Ariel Henry dise un mot pour eux, parce que je dis après que yo été fini gain espoir que pour ouvert au grand public, ça était attendre que c'est pas gain et une près de 6 pompes à essence, soit total, DNC, national, et tant d'autres encore, et go, qui était pas le gaz, voilà qui, et pour en ouvert depuis la date du 7 août passé, aujourd'hui, à un moment qui n'a pas là, pas de aucune alimentation qui fait ma pompe. Tout simplement, ces marchés informels là, de façon clandestine, avec, qui comptait à la loi, qui a alimenté marché là, et j'en dis là, ça veut nous permettre que nous la situation côté que pas jeune Gaza, et dès que nous chita rete dans corridor avec un galon jaune normal, c'est 3000 groupes cap vanille et pas de qualité. Pour ça, nous parlons tout des problèmes blackout là, et puis attendre tout à partir de présence premier ministre, ministre PPCA, ingénieur Rosemont Pradel, tant d'autres autorités encore, qui était pas gagner et gaz pour que yo joigne possibilité pour gagner courant électrique. Et permettre que les questions d'insécurité les abattent. Parce que les soirs, il y a un pile monde de nos jours par rapport à la chasse que la police a fait, la Port-au-Prince, une série de bandits sans foi ni loi. Ils viennent prendre refuge par ici. Et nous, tous, ils disent que la police, la justice, pas bien détermination pour pouvoir payer. Malgré ça, à partir de visage bien connu, ça nous permet que le cas de violence soit augmenté. Même le pas de mort d'homme, mais question, mon apprenti qui a eu un problème blackout là, ça très fréquent, et violer jeunes filles, tant d'autres femmes encore aux victimes. En même temps, il y a tenu compte pour qu'il n'y ait aucune démobilisation, pour qu'il y ait faut que la vie chère lui-même, il y ait un apaisement là-dedans, question chômage à tout. À la seule différence, de constater qu'il y a un petit mouvement en termes de main-d'œuvre qui a fait beaucoup de TTPC avec tant d'autres ministères encore, tant que nous avons parlé des ministères de l'environnement, mais ce n'est pas un grand chantier pendant qu'il y a parlé de questions ouvertes de l'école, ou date 3 octobre qui vient là. Comme ça, tout, il y a tenu compte tout pour qu'il demande au ministre de l'Éducation nationale, là, Nesmi Maniga, pour qu'il lui-même tout, et 9 établissements scolaires qui tremblement de terre à écrasé. En gars qui te promet surtout, il n'y a pas tant que il fait espace ça pour loger tout le monde, pour qu'il y ait c'est pas tant que il y a le temps, pour qu'il y ait un petit espace dans le collège, après le collège au final de l'après-midi, pour qu'il prenne pain l'instruction. Tout ça fait partie de package revendication mondiaux. Et il dit, mouvement ça qui n'a gagné aucun leader politique à la tête, c'est un mouvement de masse tout simplement. En plus, le monde attend que yo même tout pour qu'ils participent au mouvement de façon massive, yo même en tant que citoyen paisible, faut qu'il pas une violence qui a fait tout bien le monde. Parce que hier, à partir d'un camion qui a transporté ces marchands, sorti dans une zone reculée et département pour pénétrer ville Génie en direction d'Azil, ils ont déchiré les machines qui étaient gagnées à Magan-Sarayo avec un pile produit alimentaire, un coup de banane, figues, véritable viande, tout ça, manifestant qui était en colère, ils ont porté aller. Comme ça, tout, il faut que nous, institutions publiques, depuis hier, ils n'ont pas arrivé. Et du côté des complexes administratifs totalement fermés, même du complexe administratif, ça, c'est lui-même qui logeait ensemble institutions publiques en majeure partie, tant que éducation, finance, et santé, et affaires sociales et ministère du commerce et pour nous citer ça seulement. Comme ça, l'institution ça depuis hier, il n'a pas fonctionné. Et l'autant de ça présenter comme ça, tout, DGI lui-même tout, il n'est pas entré 50 culs et il y a un contribuable à le niveau basile, tout, pas fréquenter zones ça, qui vient là-dedans BNC, Sogebank, tant d'autres encore. En même temps, on a tenu compte tout pour nous faire et en faire signaler. Depuis environ près de 2 semaines, à cause du problème de turbulence politique, à partir des efforts qui viennent la Grande Sud là pour déboucher sur Grande Anse là, ça va nous permettre que les gens qui viennent et l'argent de la banque, et il y a tout simplement des accès pour joindre moins que 15 000 gouttes, plutôt à travers BMC, à cause et BMC fait qu'on est tous, les déplacer un avion, ça coûte très cher, et fourgon qui habilité sur le plan sécuritaire pour que lui transporter l'argent dans une province, pas capable de sortir dans Port-au-Prince pour pas tourner les Oudadifigua, Gangoua, les Souk, ou aboutir à Gandas. Ça veut nous permettre que nous-mêmes qui gagnons la situation, ou gagnons un monde malade, un cas de mortalité, voilà que nous ne sommes pas en mesure pour répondre à besoin ça, toutefois l'argent ou la banque. En gros, et derrière et Pierre-Renel, Johnny, situation très précaire à partir de mouvements qui n'ont pas de notification de côté de la police. Et à plusieurs reprises, la police fait connaître tout, il faut que même nous soit notifié présence sur voie publique là, qui ça relève des compétences de la loi, les constitutions dit ça. Mais en même temps, il y a cette mission tout pour que tout le monde qui a fait des ordres pour que les selon un prescrit la loi. Et voilà en gros situation. Allô? Oui, Pierre-Renel. C'est un peu le Frankel Imaginaire, donc on a appris hier, nous pas de recevoir pour te faire annonce manifestation, ça qui est déroulée dans Jérémy. Merci un peu le Frankel. Voilà, merci. Pas de problème, je vais contact. Voilà. Merci à Phil Frankel Imaginaire. Et nous te disons, ni en titre, ni dans le commencement du journal là, c'est une nouvelle semaine de tension qui a prégné en d'un pays à Port-au-Prince, tant qu'on a plusieurs autres villes de province. Nous avons ça avec Elilovéus dans Jacmel, nous avons ça à Jérémy, côté en pile manifestants descendent dans la rue pour continuer, non seulement exiger le départ d'Ariel Henry, mais tout dénoncer insécurité qui gagne dans le pays, cherté de la vie, malgré dollar et gagner on certaine appréciation, bon disons goût de la plutôt gagne une certaine appréciation, ça n'a pas empêché eh bien prix produit de première nécessité il y a toujours été même gens et c'est dans le contexte ça, dans Petit Gouave nous apprendre te gagner un gros mouvement de tension qui était même soldé par même le mort, nous pourrons gagner plus de détails avec correspondant permanent nous, Anel Joseph depuis Petit Gouave, bonjour Anel. Allô Anel? Nous pouvons capable gagner Anel. Anel Joseph qui est en ligne avec nous. Oui, bonjour Anel. Bonjour Guerrier, bonjour Julien Fédéral, bonjour Pierre-Renel. Nous saluons notre radio dans le région, tant que préférence, Exantus, les mêmes qui toujours relient et Jonathan. C'est un jour de tension qui regagne l'Antigouave, pour ne pas dire donc un jour de panique. Donc côté population pour la rue à manifester dans l'idée pour revendiquer et donc contre la vie chère insécurité avec Gango. Et donc la situation était pas très compliquée. Donc hier il y a un qui mourit, c'est pour ça que les ratons roulants et il y a plusieurs blessés, mais d'après l'information, il y a un monde qui a un chiffre blessé. Qui est directeur de l'hôpital Notre-Dame, qui c'est M. Frédéric Jasmin. Je n'étais pas là avec lui, il était dit pourquoi il pour le blessé, sauf que son bilan est préparé au troisième affrontement pour que j'ai fait dans l'après-midi. Comment blessé vous fait fait, et puisqu'il était d'après l'information, il y a l'argent qui a distribué depuis avant et soir dans la ville par rapport avec la présence secrétaire général par le national là et je suis très enflammé et donc par rapport avec le mouvement qui dans la ville là et présent citoyen ça tout donc je te dis ouais qu'a monté descendre avec IRGPL et juste pour capable perturber population dans la ville là pour manifester plusieurs centaines de monde pour ne pas dire milliers même de pour la rue à manifester et mon savait qu'il a passé dans Jubilé. Jubilé, on a pour l'appeler c'est fief ministre finance qui c'est Patrick Boisvert et la famille bon je dis Bopel tout le monde savait là et fief Josy Pierre-Louis et c'est là tout comme ce gouvernement lui-même l'héritier. Donc là, il y a des roches qui tirent. L'information fait que c'est dans l'administration roche la tirée, et il y a des gens qui disent tout, c'est le Jubilé roche là, il tire. Et là, tu as un affrontement entre mon Jubilé et manifestation. Mais manifestation qui n'est pas supportée, un peu de monde qui ne sont pas capables de tout, la caillou, manifestant ont été repliés, et puis était rassemblé encore, il allait descendre dans la rue et de sa ligne, il passait Tiguiné, remonté sur le national, il allait repasser encore Jubilé, non, repasser Jubilé, il c'est là, t'as pas eu un gros affrontement entre manifestants et mon Jubilé, et la police était obligée d'intervenir, police BI dans le commissariat, et Utmo qui dans la région a intervenu, et là, il y a des gens qui prennent pas le caoutchouc, et il y a un citoyen qui est le rôle, un raton qui est mourir puisque l'asthmatique, il y a un pile de gaz lacrymogène, et monsieur était mort. Et l'autre milieu qui mourit, en pile, on a parlé de ça, son citoyen qui est le Roubaix, mais il n'est pas mort, d'après toute dernière information, puisqu'il a recevoir une balle dans la tête, c'est dans la zone Fonfab, dans la rate, zone Fonfab, la rate là, pour nous dire c'est la résidence, et secrétaire général par le national là, même, ensemble avec Matou, ici Patrick Boisvert, ministre de Finance là. Donc, dans la zone, ça a eu quelques manifestants qui sont allés, et il y a eu l'équipe de jeunes à depuis avant, et le 19 dit qu'il y a eu lui-même qui tire les citoyens à la tête, et là, t'as pas le l'autre catégorie blessée dans la zone, et nous capable de dire, dans la zone de la rente, plus précisément, dans côté de là, côté citoyen reptilien, et la zone en bas Mapou, et dans la rente, et c'est comme ça, zone s'arrête, et donc, quatrième catégorie manifeste blessée à connaître, c'est affrontement qui était fait dans la zone de la personne. Puisqu'il y a un cob qui t'a baillé, d'après l'information, et une catégorie qui est un cob, et l'autre catégorie n'a pas gagné, et des groupes ça va être affrontés dans la zone de la personne. Dans la personne, et c'est une zone populaire qui gagne en dedans ville du Gouave, et ils ont toujours joué là pour manipuler, ils sont jeunes qui toujours résisté par rapport à quel que soit le mouvement qu'a fait dans la ville. Et d'après le directeur de l'hôpital Notre-Dame, M. Frédéric Jasmin, qui fait me connaître, c'est là, il t'a pas joué en pile monde qui blessé par rapport avec des groupes qui t'avaient affronté. Donc, situation qui était très, très tendue hier dans Tigouave, et donc, Tribouvagon, Montakoui, et puisque c'est des zones affrontement à fait, Jibili, et nous avons dit, Fonfab, assis dans la zone Larat, en Bamapou, côté résidence citoyenne qui sont officiels dans le gouvernement. Et nous sommes capables de dire, et nous par contre qui c'est pour adresser. Mais c'est qu'il y a l'autre incident privé hier après-midi, d'après l'information qui nous vient, c'est Kazek, week-end 17, nous connaissons, qui habitait dans la même zone avec M. Sayo. Et ils estimé c'est Kazek, week-end 17 lui-même, il a mobilisé pour prendre la rue contre la richesse et l'insécurité. Puisque nous connaissons des déclarations violentes qui étaient faites dans le Carrefour Jubilé, dans le fief officiel du gouvernement. Nous-mêmes, c'était des organisations qui étaient prises l'initiative à faire mouvement et nous avons fait des déclarations qui étaient menacées, bien privées. Et donc, d'après l'information, IAGPN dit en secret CAI week-end 17, il doit être directement sous le secrétaire général par le national là, qui c'est M. Josy Pierre-Louis, il dit qui menace lui et qui te frappe barrière lui, qui avec tout IAGPN, c'est juge des pays qui était obligé hier, qui était venu sur le lieu justement pour te constater côté week-end 17, même était en difficulté par rapport avec l'agent IAGPN. Qui était Saint-Clécaïli et nous par contre commençons à aller le matin puisque nous entré en contact non seulement avec l'hôpital général là, Fred Jasmin nous pas joigné et nous rentrons en contact avec quelqu'un 17 nous pas joigné mais sauf depuis hier après-midi arrivé jusqu'hier soir situation très tendue et qui montre aujourd'hui Antigua capable qui ont mauvais mouvement et une population qui est inquiétée par rapport avec Junior puisque toute présence et action qui passait hier qui est mobilisé millions de fois encore donc pour refouler les bédouins et changer stratégie dans la bataille à mener. Et qui ça nous avons dit mouvement dans la semaine passée était affaibli mais il était venu prendre la rue c'est par rapport hier et les ou prendre la rue nous capables de tout couche et mobiliser c'est ça qui est passé Jubilé à Roche qui est tiré malgré que c'est pas mon Jubilé qui est tiré là mais c'est Jubilé même Roche qui est sorti et donc et situation qui permettent malgré que nous qui retourner et que nous qui refouler les bétons et qui la cause des centaines nous capables de milliers de prendre la rue et font nous ça fait deuxième grosse journée, puisque lundi, premier lundi, nous étions sortis. Quantité de monde dans la rue, il y a encore même quantité de monde dans la rue, mais il y a des gens qui étaient avec la caillou, mais il y a l'autre qui mettait vaillant sur eux, donc garçon sur eux, prend béton et il faut que la réponse avec ça qui a passé dans Tigouave là. Josy Pierre-Louis, c'est mon Tigouave. Anel Joseph, Josy Pierre-Louis, c'est mon Tigouave. Ça t'a capable de briver par coïncidence la manifestation, il trouvé dans la zone. Or, information rapportée que monsieur était là pour le distribuer l'argent. Est-ce que il y a des preuves sur ça? Il y a des gens qui joignent l'argent effectivement, donc nous-mêmes qui sous place. Est-ce que nous arrivons à vérifier la distribution de l'argent? Josy Pierre-Louis, secrétaire général Palais à Alfait Tigouave, pour saper le mouvement de protestation qu'a fait là. Moi-même, je n'ai pas vérifié, sauf que c'est ça qui montre la distance des groupes qui battent dans le PSNA. Après ça, tout l'autre groupe dans le sinistre qui était dans la manifestation, qui m'a dit combien prend, mais il y a une manifestation. Mais si il n'y a pas de bataille entre les groupes, mais dans PC, il y a une bataille entre deux groupes qui jouent de l'argent, l'autre n'a pas de l'argent, et ça joue de l'argent, qui sauve à faire des $30 000. Mais comme tout ça, si on parle qui prend ville là depuis avant, comme tout, depuis dimanche soir, pile cartouche à tirer sur route nationale, et toute soirée, en pile balle tirée, et c'est juste après l'information pour inquiéter mon et pour ne pas prendre la rue. Et raison, ça a justifié ça tout, et manifestation, et forme de pile municipalité qu'on manifester. Et c'est parmi les gens qui étaient dans tête mouvement, c'est une famille, Josy Pierre-Louis, et qui habitait Jubilé. Mais pour qui ça c'est tout, manifestation a passé, Jubilé, et puis on retiré. Donc pour qui ça tout, c'est hier, en pile côté dans la ville là, il y a toute situation violente ça. Donc pas de rien déjà. Donc ça, nous capables, nous pas dit nous ouais, mais ce sont des signes justement de prouver donc qu'il y a une stratégie qui nous manipule nous pour ne pas prendre la vie. Anel Joseph, dis-nous non, qui ça qui est arrivé, commissaire gouvernement Pierre Elliott Paul, parce que nous apprenons c'est bon pied commissaire qui sauve. Commissaire du gouvernement Paul Pierre Elliott, il est passé par la foule, mais c'est pas une population qui a problème avec du tout. Et forme du premier jour de manifestation lundi, il n'était pas dans la manifestation, mais il était dans la rue, il était des gens dans la rue ensemble avec lui pour aller vérifier les pompes, qui gaz, qui pompes et faciliter, malgré les manifestations que tu as faites, pour avoir des pompes qui t'a payé gaz, ça veut dire pompe côté gaz. Et franchement, manifestation était dans le jubilé. Et je me rappelle que le commissaire gouvernement passé dans la manifestation, il est rentré la Cali pour remettre Kibo, qui est un natif natal dans le Jubilé, commissaire Kibo Zamon, ce sont des natifs natals Jubilé, et il passe. C'est pas mon population qui est problème avec eux, pas mon population qui est problème avec eux. Et par contre, hier, le fait que c'est une zone de réalité, on va voir tout le monde qui a les avant, et quand il prend un pile coup de roche, vite la Cali, c'est grâce à l'information, on est rentré en contact avec le Bakamani, mais t'assemblé, c'est pas la foule. Commissaire a passé, mais c'est pas un monde, franchement, c'est pas un jeune, et population qui a un problème avec elle, puisque pendant le jour, c'est dans Carrefour Jubilé, même manifestation tout campé, et c'est nous capables de dire Carrefour Jubilé, l'innommé et Carrefour de résistance depuis à Petit Gouave. C'est là tout mouvement qu'on fait, et c'est là tout affrontement qu'on fait, c'est Jubilé Rubinois. Et donc, dans le jour qui est passé, il était toujours passé Jubilé, il était toujours campé Jubilé, fait déclaration, il n'y a pas de concité, le commissaire gouvernement par rapport à ce qui a passé, mais hier, et les victimes dans ce qui a passé, et c'est la maman liée tout, familier, et fondouille, en pile contre tiré sur le commissaire du gouvernement. Mais je suis capable de dire que ce n'est pas la folie passée, puisque dans le temps, mais il n'y a pas aucune hostilité qui est dégagée contre les manifestations. Et Tigouave, pour tes premiers prières, et jusqu'à présent, si nous tenons compte de quantité de monde qui sortit dans la rue pour protester contre la vie chère et l'insécurité, nous connaissons Tigouave. Traditionnellement, historiquement, c'est une zone qui est toujours chauffée. Est-ce qu'on est capable d'expliquer nous qui ça qui expliquait le succès du mouvement ça dans Tigouave par rapport à l'autre vidéo jusqu'à présent, côté que monde sorti, mais pas la quantité de monde dans la manifestation qu'a fait Tigouave là? Oui, avant de répondre à la question, on a dit que plusieurs artistes, oui, artistes nationaux qui n'ont pas de Cadillac, qui ont noté le réseau national là, malgré le marché à pied, pour capable de passer avec des jeans, et ils sont obligés de retourner, c'est que quasiment tout qui est en ville là, ils ne peuvent pas passer parce que Tapion, et Fondou, Balkatsa, pas aucun monde qui a traversé, mais d'après l'information, c'est parce que je dis. Je t'ai traduit, Josy Pierre-Louis qui fait de monter de la pio dans Tapion. Et pour nous dire tout, vu avec question là opposée, et Tigouave, c'est une zone qui est difficile dans la politique. Et moi, après mon commissaire de police qui était passé ici, c'était Gilbert Conseillant, et les Zabra, les policiers criés, et mon Tigouave, il était dit Tigouave, c'est une ville qui est difficile, mais facile à diriger. Et donc, pour comprendre Tigouave, il faut une stratégie dans la politique. Il faut une stratégie dans la politique pour comprendre et assimiler à la population. Et donc, l'offre assimilée, c'est ça. Pour petit groupe qui agit en autorité, ça veut dire imposer la loi. Qui ça? Nous avons regardé, dans le jour passé, il y a des organisations de base qui étaient dans ces mouvements, pas de gens prennent du tout contre la vie chère insécurité. Or, Tigouan, c'est une ville qui est victime par rapport avec ça qui a passé Matissa. Donc, si on va vendre Port-au-Prince $10, on est Tigouan vendre $20. Donc, Tigouan, c'est une zone qui est dans le sud, même avec tout côté, donc qui a subi la réalité pays. Et bon, Tigouan, plus civil parce que Tigouan veut dire pas vendre Port-au-Prince, c'est pas dans l'autre département, et tout ça, on a besoin, après, c'est Tigouan où tu as allé. Donc, Tigouan, c'est en bas, non, en bas, Port-au-Prince, ça veut dire c'est petit Port-au-Prince. De ces dernières villes dans le département de l'Ouest. Mais Tigouave n'a pas de l'idée, pas de monde qui était mobilisé. Donc, dans les derniers jours, il y a des commerçants, puisqu'ils sont victimes de tout, les commerçants, non seulement victimes, ils ont des blocs, des grands sites qui créent, mais mouvement s'attaquant, mais les commerçants Tigouave sont victimes, donc ils étaient mobilisés l'un avec l'autre. Et ils ont mobilisé la population, ils ont monté la population, et nécessité qui gagne pour prendre la rue. Même mouvement ça, pas de bête. Et ça, on dit tout le monde. Parce que Tigouave, ils n'ont pas quoi dans le monde qui a pu paraître sur le plan politique, malgré quelques références, mais ils disent pas mouvement ça, mouvement politique, parce que ils ont gardé le mouvement qui est passé, les SDP viennent là, viennent Tigouave, mobilisés, ils ne parlent pas, ils prennent pile, ils prennent prison, et Tigouave, c'est côté, malgré tout le mouvement défini. Mouvement pas jamais fini Tigouave et finalité c'était prison et après ça il n'y a pas jamais aucun monde dans politique de la compagnie et ça permet de te replier mais qu'on a le temps de parler l'idée et tout le monde, toute couche, toute tendance tu prends l'arrière parce que ce sont des commerçants qui te mobilisés pour prendre l'arrière ça te permet toute catégorie monde qui était professionnel dans quelque chose c'était lié yo pile béton parce que yo dit pas marcher avec l'idée yo pas besoin d'une paille une prendre visibilité politique et n'a tout c'était Tigouave vrai et lundi dernier tout marché toute activité était bloquée par un monde qui est clacaillou et yo te prend la rue qui ça permet et mouvement Tigouave prend la rue tout pour monde prend la rue contre Tigouave tout depuis mouvement fait sans violence ou après que des têtes quand faut côté monde camper y a regarder et souvent on monde entrer dans mouvement sans qu'elle pas connaît depuis la violence et après le regarder après tout le monde fait le produit prend la rue et ça dit répéter lundi dernier et hier encore et dans deuxième versement ça veut dire nous avons dit la deuxième version après ça s'est passé et jubilia et Fondou, franchement, côté mobilité et mobiliser le pilier béton. Et donc, Tigouave, c'est une ville stratégique. C'est une ville stratégique, on apprécie que les manifestations Tigouave, il y a plusieurs autres quartiers qui sont soulevés, donc on vient aller. Et Vialet, les pour Tigouave, prend Vialet, prend tout, et il n'y a pas de l'autre côté à faire, c'est monter, venir renforcer ville là. Ou après, il y a Tiguiné, depuis il prend, il n'y pas arrêté en bas, il renforcer ville là. Et il y a Rubinois. Depuis on prend, ou après même les manifestations pour sortir, on prend des bandes qui sortent rue Benoît, ils descendent et il y a les renforcés villains qui doivent être une stratégique et ça permet depuis le mouvement, de volonté et c'est une ville depuis lever tout le monde lever. Voilà, merci en pile Anel Joseph, correspondant nous depuis Tigouave qui t'a parlé nous de mouvement qui a gagné hier et dans le mouvement ça, Jean-Nous Odile a gagné Kaye, commissaire gouvernement qui a attaqué avec nous au commissaire Elliot. Bonjour. Bonjour Belgique et je profite de l'occasion pour nous saluer tout le monde. surtout les jeunes, là, mon Dieu, bonjour. Ils sont plaisir. Commissaire Maconé, nous sommes très bas et nous avons essayé, c'est vrai, nous avons excusé mon nom pour grondement qui gagnait sur la radio depuis plusieurs jours. Nous avons essayé, oui, on a la guerre. Allô? Oui, vous avez moi? D'accord. Et moi, je dis bonjour, Gabriel. Et moi, profiter de l'occasion pour nous saluer tout le monde qui grave. Et surtout, mon lac à moi, jubilé. Et mon salut jeunesse Tigouabla. Ça qui est passé hier, puisque l'information fait quoi, il y a un groupe de monde qui était dans la manifestation qui attaquait la CAO. Qui ça information hier? Oui, j'entends de là, c'est ça. C'est un groupe de monde qui visait de prendre la CAO comme